Yo tout le monde, c'est Harry, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, désolé si ma voix va être vraiment dégueulasse pendant cette vidéo. Sauf que mon micro déconne pendant la vidéo, du coup là je suis en voix off. Et en voix off, le rendu est vraiment dégueulasse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch God Mode. Donc pour être en God Mode sur GTA 5 Online. Donc c'est vraiment très très facile, vous allez voir. Donc tout d'abord il vous faudra un garage 10 places. Donc vous rentrez dans votre garage 10 places. Une fois que vous êtes dans votre garage 10 places, on peut commencer la manipulation. On va aller faire Start en ligne, aller dans Options. Une fois dans Options, vous allez dans Type de salon, vous mettez en privé. Ensuite, dans Point d'apparition, vous allez mettre sur Garage, tout simplement. Une fois cela fait, vous allez vous diriger vers la télé de votre garage. Donc on y va et vous allez l'allumer sur la chaîne Manga. Donc on l'allume, on fait un triangle. Et il faut, voilà, donc moi je suis déjà sur la chaîne Manga. Donc là, dès que vous êtes ici, vous avez juste à faire rond, tout simplement, et ne pas bouger. Donc une fois que vous êtes comme ça, vous allez ouvrir votre téléphone. Vous allez aller dans Activité rapide. Voilà. Vous allez aller dans Aléatoire. Et puis Seul. Une fois que vous allez appuyer sur Vraiment, vous allez spammer 2-3 fois la flèche de droite en sorte pour regarder la télé le plus rapidement possible. Ensuite vous allez voir que là on est en train de regarder la télé sans vraiment la regarder en fait, vu qu'on peut bouger. On a les sous-titres en bas et on peut bouger notre écran sur nous. Donc là vous avez vu que ça nous a TP sur la télé. Donc là on peut faire rond pour éteindre la télé et tout. Donc ça c'est pas bien, ça veut dire que le glitch a pas fonctionné malheureusement. Donc là c'est très simple, vous allez juste faire rond, rouvrir votre téléphone, aller dans Activité rapide, Aléatoire, Seul, Vraiment. Et vous allez spammer la flèche de droite encore une fois. Et là, en fait, vous allez attendre que votre joueur soit TP en fait. Une sorte de téléportation dans les nuages pour aller dans une activité en fait. Donc là, on attend vite fait que ça nous téléporte. On se retrouve juste après. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, ça nous a TP dans le ciel. Donc arrivé ici, vous allez attendre 10 secondes. Puis vous allez donner un petit coup vers la gauche sur le bouton L3 en fait. Pour changer de chaîne vers la gauche. Donc environ maintenant, voilà, on change de chaîne vers la gauche. Donc arrivé dans la prochaine chaîne, on refait pareil. On attend environ 10 secondes et on refait le joystick gauche vers la gauche encore une fois pour rechanger de chaîne. Voilà, donc arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore une fois attendre 10 secondes et puis on va cliquer sur le bouton rond. Donc comme vous pouvez voir, ça nous a fait sortir de la télé. Maintenant vous pouvez remarquer qu'on n'a plus la minimap en bas à gauche de l'écran. Donc maintenant on va monter dans un véhicule. Vous pouvez aussi sortir à pied, c'est pareil. Et maintenant on va sortir du garage et on va aller se rendre sur un rond bleu. Donc un rond bleu d'activité, d'une course, peu importe. Faut juste qu'on trouve une sorte de rond bleu. Donc moi je sais qu'il y a un rond bleu juste en bas de cette route. Juste cette rue. Donc on descend la rue et je vais vous montrer où il y a le rond bleu le plus proche. Donc c'est juste à côté, vous allez voir. Donc on se retourne une fois que j'y arrive. Donc normalement ça devrait être juste ici. Non, un peu plus bas. Donc ça devrait être, voilà, juste là au-dessus du pont là. Ce petit mini pont là où il y a un saut unique. Donc c'est juste là. Donc une fois arrivé à côté du rond bleu, vous allez sortir de la voiture. Vous allez aller sur le rond bleu, mais c'est normal qu'en fait que ça va rien se passer. Vous allez juste cliquer sur la flèche droite, vous allez voir, paf, maintenant, il y aura une sorte de petite lumière blanche. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, vous allez ouvrir votre téléphone. Vous allez ouvrir votre téléphone et vous allez aller dans Activité. Voilà, Activité. Et vous voyez que toutes les activités sont fermées. Donc en fait, il faudra attendre que les activités vont s'ouvrir. Donc ça va prendre environ une voire deux minutes. Donc on se retrouve dès que les activités seront ouvertes. A tout de suite. Vous inquiétez pas, je vais mettre un petit accéléré. Vous n'allez pas vraiment attendre une minute ou deux avec moi. Allez, à tout de suite. Voilà, donc mes activités sont maintenant ouvertes. Donc maintenant vous allez rentrer dans un véhicule.
Donc moi j'ai dû changer de véhicule vu que mon collègue dans la partie a exposé mon ancien véhicule vert. Donc une fois dans, dans le véhicule, vous vous mettez en vue première personne, vous allez faire L1 et puis carré pour changer d'arme. Donc là c'est le pistolet mitrailleur, c'est un des meilleurs, donc je sors. Donc vous pouvez avoir les armes que les armes du véhicule. Donc pour le remplir en, pour le charger en munitions, vous allez faire le pad, aller dans inventaire, puis munitions. Et là vous pouvez le remplir à chaque fois, c'est pas un problème, le petit pistolet mitrailleur, voilà. Donc ensuite, pour avoir la minimap, donc on peut pas la voir, mais on peut faire le bouton start pour voir la carte, pour voir où sont les gens, pour les faire chier et tout. Donc vous allez ouvrir votre téléphone, aller dans internet, et là vous pouvez faire le bouton start. Dehors en fait ça ne marche pas le bouton start. Donc maintenant je vais aller appeler mon pote pour qu'il me tire dessus, pour vous montrer que je suis bien et bien en god mode. Donc là il y a un gars qui, en fait c'est pas lui mon pote, mais lui c'est un gars de la session qui est venu me tuer. Donc vous voyez que je suis en god mode, donc désolé pour toi poteau, mais je pense que tu vas mourir. Voilà, là c'est mon pote qui l'a tué, là on voit que c'est mon pote avec son lance-roquette. Alors là on va se diriger vers mon pote pour qu'il nous tire dessus, pour bien vous montrer que je suis en god mode. Donc je pense avoir fait le tour du glitch les gens, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc si j'ai bien commenté, si vous avez aimé ce glitch, n'hésitez vraiment pas à laisser un gros pouce bleu et à commenter en bas de la vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, moi je vais s'en accélérer jusqu'à la fin où on a fait les cons, on a tiré partout. Donc c'était Harry, ciao les potes, et à une prochaine vidéo. Peace.